Bonjour à tous les amis, c'est Brasier, votre gamer favori. On se retrouve donc pour la boutique du jour de Fortnite du 15 mai 2023. Donc avec à la une le retour de section d'origine style des saisons du chapitre 1 avec le symbole de la saison. De saison par contre, c'est l'accessoire de dos rare. Arborez votre saison victorieuse, c'est parti l'ensemble section d'origine, saison 3, chapitre 3. Avec 10 styles au choix, donc c'est toutes les saisons qui sont passées du chapitre 1. Donc il y avait 10 saisons au chapitre 1. Donc, on n'a eu que 8 au chapitre 2. Et après on est passé au chapitre 3, donc voilà, hein, qu'on voit actuellement à l'écran. Avec la meneuse de Lucky, la légende de Lucky Landing, voilà, avec 10 custom également, pour 1200 V-Bucks, une tenue rare. Une autre tenue rare, assaillante de Salty, la bienfaitrice exaltée de Salty Spring, pour 1200 V-Bucks également. La soda de Tilted, la vraie urine de Tilted Tower, fait partie de la somme section d'origine également, donc pour 1200 V-Bucks avec leurs 10 custom. Comme vous voyez actuellement à l'écran, donc pour les 10 saisons du chapitre 1, donc alors, comme une tenue rare, l'écumeuse de Risky, la dominatrice de Risky Reels, voilà, avec ses 10 custom et pour 1200 V-Bucks également. Notre tenue rare, la casse-cou de Dusty, la protectrice acharnée de Dusty Depot, avec ses 10 custom pour 1200 V-Bucks. Notre tenue rare, intrépide du Flunch, vainqueur compulsif de Flunch Factory, avec ses 10 custom également. 1200 V-Bucks. Une autre tenue rare, regardez de Walling, le combattant sauvage de Walling Woods. Voilà, pour 1200 V-Bucks avec ses 10 custom. Le troupier tranquille, le champion décontracté du fauteuil. Tout ça pour 1200 V-Bucks également. Notre tenue rare, maraudeur de Tomato, le conquérant de Tomato Town. Avec ses 10 custom pour 1200 V-Bucks également. Le patrouilleur de Pleasant, le protecteur féroce de Pleasant Park. Avec ses 10 custom pour 1200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez donc le pack première insulaire avec soldat de Tilted, casse-cou de Dusty, avec leur 10 custom, écumeuse de Risky, l'assaillant de Salty, la meneuse de Lucky et le gang étant complet pour 2800 V-Bucks, c'est le prix du pack. Donc, c'est un pack rare, donc, enfin, un pack avec des tenues rares et l'écran de chargement atypique, tout ça pour 2800 V-Bucks. Le pack premier guerrier, donc avec intrépide de Flinch, guerrier de Walling, maraudeur de Tomato, patrouilleur de Pleasant, troupier tranquille et le gang étant complexe, c'est écran de chargement également pour 2800 V-Bucks. Donc voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour de Simien, un tenue rare. Donc ce sont vos adversaires qui feront la grimace. C'est parti ensemble tout doux, saison 1, chapitre 2, avec deux styles au choix comme vous voyez actuellement à l'écran, avec sa trousse banane qui sont accessoires de dos. Elle n'est pas comestible, elle a de custom également, tout ça pour 1200 V-Bucks. Notre tenue rare, pack mutique avec la mutique. Réduisez vos adversaires au silence. C'est parti ensemble, terreur discrète, saison 1, chapitre 2. Avec ses deux styles au choix. Avec son stylo noir qui est un accessoire de dos. Lui aussi a deux styles au choix pour les combattants qui aiment les styles pointus. Les mutismes, la petite collette atypique. Faites peser un silence perçant avec deux custom également. Et noir usé, c'est le revêtement d'armes, donc qui est atypique également. Tout ça pour 1500 V-Bucks, le prix du pack. Hors pack, donc la tenue rare mutique et le silon noir pour 1200 V-Bucks. Les mutismes, le petite collette atypique pour 500 V-Bucks. Le noir usé, c'est le revêtement d'armes atypique également pour 300 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour d'un pack épique avec Astéri. Fait partie de l'ensemble faites place à la reine du récit, pardon. Fait partie de l'ensemble Poissonnerie, saison 9, premier chapitre. Avec son anémone qui est son accessoire de dos, toujours apaisante à regarder. Donc tout ça pour 1500 V-Bucks, c'est un pack épique donc. Ensuite un pack rare encore, le Tsuki, imprévisible, impitoyable. Fait partie de l'ensemble Karate Technologies, saison 9, premier chapitre, avec ses deux customs différentes. Et son Ta qui sont son accessoire de dos, toujours incisif, tout ça pour 1200 V-Bucks donc. Un autre pack épique, le frôlon de cuivre, attention à la piqûre de ce karatéka, il fait partie du même ensemble Karate Technology, saison 9, premier chapitre, avec son tracker rayé qui est son accessoire de dos, il peut bondir à tout moment pour 1500 V-Bucks. Le méga point, c'est son outil de collecte épique également pour 1200 V-Bucks. Frôlon, c'est son revêtement atypique pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, autour du pack du chef d'équipe de Mecha, donc avec, c'est un pack épique. Voilà, avec la tenue chef de mecha, un assemblage improbable, donc il fait partie de l'ensemble Ultime Bataille, saison 9, premier chapitre, avec ses deux customs différentes, avec son propulseur rose qui est son accessoire de dos, il est chargé à 100%, il pique également. Les dagues rares, ce sont outils de collecte, dagues de combo, une fois lancées, plus rien ne les arrête,
L'équipe mecha, c'est le vêtement d'armes rare également. L'animote atypique, équipe mecha. Ou notre équipe monstre. Voilà, atypique également. Le petit planeur, les ailes de l'équipe mecha, c'est le petit planeur fabriqué à partir de surplus du mecha et approuvé par le Paralzim. Donc voilà. Saison 3, saison 2, chapitre 3. Et l'emote intégré, épique, canaliser votre énergie. Voilà, tout ça pour 2300 e-bucks. Alors, pas vous avez chef du mecha, propulseur rose et la surcharge pour 1600 e-bucks. Les ailes de l'équipe mecha pour 500 e-bucks, c'est le planeur atypique. La dague rare, le titre collecte rare, la dague de combo pour 800 e-bucks. L'équipe mecha, c'est le vêtement d'armes pour 500 e-bucks, il est rare également. L'emote équipe mecha, c'est atypique, c'est la petite emote atypique pour 100 e-bucks. Équipe monstre pour 100 V-Bucks également atypique. Voilà. Pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours la célébration du champion, le reflet de votre triomphe, une emote atypique qui fait partie de l'ensemble FNCS saison 1 chapitre 4 pour 300 V-Bucks. Contrairement à d'autres objets de l'ensemble FNCS, celui-ci peut être disponible de nouveau à l'avenir, donc pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez une tenue atypique, écho la venteuse que les vents vous guident, fait partie de l'ensemble chambre du vent saison 7 chapitre 2. Il est réactif pour réactif, donc les tatouages brillent en ouvrant des coffres pour 800 V-Bucks. Une tenue rare, instinct. La victoire lui vient naturellement, fait partie d'ensemble contre-attaque, saison 6, premier chapitre, avec son bi-réservoir qui est un accessoire de dos, toujours sous pression, pour 1200 e-bucks. Le mini cocotier, c'est un petit outil de collecte rare. Rangez votre acier, on est sous les palmiers, saison 8, premier chapitre, donc pour 800 e-bucks. L'effet nacré, c'est un petit revêtement d'armes animé, saison 4, chapitre 2, il est rare également pour 300 e-bucks. La petite emote, les aventuriers ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable, saison X premier chapitre, donc pour 500 V-Bucks. Un petit emote atypique, déhanché festif, remis votre popota, saison 1 chapitre 2 pour 200 V-Bucks. Une autre emote atypique, célébration du champion, on en a déjà vu. Ensuite vous avez sur le pack de quêtes de gains de niveau de la capitaine Hepati. Obtenez la tenue de la capitaine Hepati à l'achat et accomplissez des quêtes hebdomadaires pour gagner jusqu'à 28 niveaux et déverrouiller des récompenses cosmiques. Accomplissez les quêtes en obtenant des jetons de gains de niveau dissimulés sur la carte chapitre 4 avant la fin de la saison 2. Chaque semaine, cette nouvelle quête devient disponible et peuvent être accomplies jusqu'à la fin de la saison, le 9 juin 2023. Accomplissez les quêtes pour déverrouiller chaque quête un niveau entier sous forme d'XP par jeton. Une semaine 1, l'accessoire de dos, carte os 3. Semaine 2, leurs vêtements soleil écarlate à partir du 9 mai, donc à 15h qui est déjà disponible. Semaine 3, la pioche coupeuse cométaire à partir du 16 mai. Donc il sera parti demain à 15h. Et la semaine 4, le style armure pour la tenue du capitaine Hepati à partir du 23 mai à 15h. Donc ça sera la semaine prochaine, tout ça pour 1200 e-bucks, le pack. Ensuite, vous avez sur le pack Epic Black Goku Black. Avec Goku Black, le combattant maléfique venu d'un futur parallèle qui a changé son corps avec Goku grâce au Super Dragon Ball. Saison 2, chapitre 4. Donc c'est disponible depuis cette saison et ce chapitre. Donc avec sa faux de Kai qui sont accessoires, son titre collecte rare. Le deuxième, l'épée de Kai, c'est un deuxième au titre de collecte rare. Et l'emote hippique, accumulation de Kai de Goku Black. Tout ça donc pour 1800 e-bucks. Hors pack, vous avez donc Goku Black qui est toujours un pack épique. Donc enfin, la tenue et l'emote sont toujours épiques pour 1500 e-bucks. La faux de Kai, c'est l'outil de collecte rare pour 800 e-bucks. L'épée de Kai, c'est notre deuxième outil de rare de collecte pour 800 e-bucks, son deuxième, donc voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack FNSS C4 S2 avec la vénarde du championnat et son trésor de champion qui sont accessoires de dos, donc c'est tout un pack atypique. Avec la caboche de conquête, c'est son titre collecte. Le FNC vert, c'est son vêtement d'armes. Et place au chaos, c'est la petite musique rare, tout ça pour 1500 e-bucks, disponible jusqu'au 7 mai à 2h du matin. Ok. Donc avec la vénarde du championnat pour 800 e-bucks. Le trésor de combat, donc hors pack, avec le trésor de champion, pardon, qui est accessoire de dos pour 200 V-Bucks. La gaboche de conquête, c'est un outil de collecte pour 500 V-Bucks, c'est tout atypique. Le revêtement FNCS vert, donc pour 300 V-Bucks. Et place au chaos, la petite musique rare pour 200 V-Bucks, donc pack et hors pack. Ensuite, on retourne dans la série Star Wars, donc avec le pack Anakin Skywalker, avec Anakin Skywalker et son hologramme des Jedi qui est son accessoire de dos. Le super soudeur, c'est son outil de collecte. L'intercepteur Jedi d'Anakin, c'est son petit planeur. La classe Actis, c'est son vêtement d'armes. Et intercepteur subluminique, c'est son émoticône, tout ça pour 3100 V-Bucks. Le pack Padmé Amidala, avec Padmé Amidala et son éclat de Japor qui est son accessoire de dos. Le bâton royal de Naboo, c'est son outil de collecte. Le yacht de Naboo, c'est son petit planeur, tout ça pour 2100 V-Bucks.
Ensuite, vous avez le pack de soldats du 212e bataillon et de la 51e légion. Donc, avec le soldat de la 51e légion, c'est le soldat clone. Donc, et le soldat du 212e bataillon, tout ça pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez leur pack de revêtement avec le 501e légion, bataillon Wolfpack, garde d'Ahsoka et 212e bataillon d'attaque, tout ça pour 400 V-Bucks. Ancien pack, vous avez donc Anakin Skywalker et l'Holocron des Jedi pour 1500 V-Bucks. Le Super Soldier qui sont une petite collette pour 500 V-Bucks. L'Intercepteur Jedi d'Anakin pour 800 V-Bucks. La classe Actis et revêtement d'armes pour 300 V-Bucks. Padmé Amidala et son éclat de Japor pour 1500 V-Bucks. Le bâton royal de Naboo pour 500 V-Bucks. Le yacht de Naboo qui est le petit planeur pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, donc, vous avez Kylo Ren et la cape de Kylo pour 1500 V-Bucks. La Vibrolame, c'est son petite collette pour 800 V-Bucks. Le côté obscur, c'est sa petite emote pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack d'ascension de Skywalker. Donc, c'est toujours la série Star Wars. Donc, avec Finn et la Résistance qui sont accessoires de dos. Soldat Sith avec son fusil blaster de Soldat Sith qui sont accessoires de dos. Rey et son accessoire de dos, l'Ordre Jedi. Tout ça pour 2000 V-Bucks. Le petit pack Ordre Épée avec les trois outils de collette Vibrolame, bâton anti-emote et le bâton de Rey pour 1200 V-Bucks. Le petit pack chasseur stellaire avec chasseur T du premier ordre et le Y-Wing, l'autre petit planeur, tout ça pour 1800 V-Bucks. Ensuite, leur pack, vous avez donc Soda Sith et son fusil blaster de Soda Sith pour 1500 V-Bucks. Rey et son ordre Jedi pour 1500 V-Bucks. Le bâton de Rey qui sont une petite collette pour 800 V-Bucks. Finn avec la résistance qui sont accessoires de dos pour 1500 V-Bucks. Le bâton anti-emote pour 1200 V-Bucks. Le pouce levé de la résistance et la petite emote pour 200 V-Bucks. Traitre, c'est notre emote pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Stormtrooper Impérial pour 1500 V-Bucks, avec Zora Bliss, une petite mercenaire chasseuse de primes pour 1500 V-Bucks. Le chasseur du premier ordre, c'est le petit planeur pour 1200 V-Bucks. Le Y-Wing, c'est notre planeur pour 1200 V-Bucks également. Le X-Wing de l'escadron d'avant-garde pour 1200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Boba Fett avec Boba Fett et son jetpack Z6 qui sont accessoires de dos. Le bâton de Gaffy, c'est son petite collecte. Le vaisseau de Boba Fett, c'est son petit planeur. L'ordinateur de visée enclenché qui sont en emote intégré pour 2300 V-Bucks, c'est les prix du pack. Hors pack, vous avez Boba Fett, son jetpack Z6 et l'emote intégré pour 1500 V-Bucks. Le vaisseau de Boba Fett, c'est son petit planeur pour 1200 V-Bucks. Le bâton de Gaffy, c'est son petite collette pour 800 V-Bucks. Donc pack et hors pack. Ensuite, vous avez le pack chasseur de primes avec Fennec Sand et son blason des mythosaures. Krasten et son symbole du clan Hutt. Le vaisseau de Fennec, c'est son petit planeur. Et pour terminer, vous avez les petites emotes télé la voix. Tout ça pour 2300 V-Bucks. Hors pack, vous avez Fennec Sand et son blason des mythosaures pour 1500 V-Bucks. Krasten et son symbole du clan Hutt pour 1500 V-Bucks. Le vaisseau de Fennec pour 800 V-Bucks. Télé la voix pour 200 V-Bucks. Donc voilà, pack et hors pack. Oui. Ah, excusez-moi. On me charge la boutique là à l'envers. Ok, c'est quand il veut. Donc ensuite, je ne sais plus ce qu'il y avait. Ouais, pourquoi elle me charge la boutique sans me la montrer. Je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, donc ensuite, vous avez le plaque Obi-Wan Kenobi. Donc avec Obi-Wan Kenobi et son nécessaire du désert qui sont accessoires de dos. La lame d'Obi-Wan, c'est son outil de collecte. L'intercepteur Jedi, c'est le petit planeur. Le message d'Obi-Wan, c'est l'imote. Et Obi-Wan encerclé, c'est écran de chargement, tout ça pour 3000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Obi-Wan Kenobi, le nécessaire du désert et la lame d'Obi-Wan pour 1600 V-Bucks. L'intercepteur Jedi d'Obi-Wan, donc pour 1200 V-Bucks, qui est le petit planeur. La petite emote message d'Obi-Wan pour 200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Luke Skywalker avec son lance-speeder X-34 qui est son petit planeur. Le mini Spider-Back, c'est sa petite emote. Le fusil lance-slim, c'est son outil de collette. Ensuite, vous avez Luke Skywalker et sa sphère d'entraînement qui sont accessoires de dos. Tout ça pour 2200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Yann Solo et Leia Organa avec Leia Organa et R2-D2 qui sont accessoires de dos. Le bâton statique et un outil de collette. Le deuxième bâton à vibration avec Yann Solo et son Faucon Millennium. Tout ça pour 2500 V-Bucks. Hors pack, vous avez Luke Skywalker et sa sphère d'entraînement pour 1500 V-Bucks, le lance-speeder X-34 pour 1200 V-Bucks, le fusil lance-slim qui est son accessoire, son petite collette pour 500 V-Bucks, le mini Spider-Back qui est sa petite emote pour 500 V-Bucks, Yann Solo et son Faucon Millennium qui sont accessoires de dos pour 1500 V-Bucks, Leia Organa et son R2-D2 pour 1500 V-Bucks également, le bâton statique pour 500 V-Bucks, le bâton à migration pour 500 V-Bucks, les deux outils de collecte donc.
Ensuite, vous avez le retour du pack Buga, pardon, c'est série icône, donc avec Buga et son trophée de Zoé qui sont accessoires de dos. Les lames de Buga, c'est son petite collecte. La joie contenue, c'est sa petite emote, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Buga et sa trophée de Zoé pour 1500 V-Bucks. Les lames de Buga pour 800 V-Bucks. La joie contenue pour 300 V-Bucks. Voilà. Pack et hors pack. Ensuite, vous avez le pack Ninja avec Ninja et sa lame de Ninja qui sont accessoires de dos. Le katana double, c'est son petite collecte. La Steel Ninja, c'est la petite emote, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Ninja et sa lame de Ninja pour 1500 V-Bucks. Le Katana Double, qui est son outil de collecte, pour 800 V-Bucks. Le Steel Ninja pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Allié, avec Allié et sa dossière d'Alitech, qui sont accessoires de dos. Les ailes plasma d'Alitech, c'est son petit planeur. Le bâton d'Alitech, c'est son outil de collecte. Le petit Diplodocus, c'est sa petite emote. Le Allié bleu, c'est le revêtement d'armes, tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez Allié et sa dossière d'Alitech. Avec ses ailes plasma d'Alitech pour 1800 V-Bucks. Le bâton d'Alitech qui est son outil de collecte pour 800 V-Bucks. Le petit Diplodocus, c'est sa petite emote pour 500 V-Bucks. Le Allié bleu, c'est le revêtement d'armes pour 500 V-Bucks également. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Lanchan avec Lanchan et son module du PWR qui est son accessoire de dos. Le coup de poing de PWR, c'est son emote. La trancheuse PWR, c'est son outil de collecte, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez l'Enchant et son module PWR pour 1500 V-Bucks. La trancheuse PWR pour 1200 V-Bucks, qui est l'outil de collecte. Le coup de poing de PWR, c'est les petits emotes pour 300 V-Bucks. Pack et hors pack. Ensuite, vous avez le bac Silver PK, avec Silver PK et sa malédiction de Loni qui sont accessoires de dos. Le cimetière de Cypher, c'est son outil de collecte. La parade de Cypher, c'est sa petite emote. Le Shugugi, c'est son petit planeur. Et pour finir, le dragon ténébreux, c'est le revêtement d'armes, tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Cyber PK et sa malédiction de Loni pour 1800 V-Bucks. Le Shugogi, qui est le petit planeur, pour 1200 V-Bucks. Le cimetière de Cypher, c'est son petite collette pour 800 V-Bucks. Le dragon ténébreux, c'est son revêtement d'armes pour 500 V-Bucks. Et la parade de Cypher, c'est la petite emote, tout ça pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Chica, avec Chica et son étoile de Chica qui sont accessoires de dos. La lance d'Aïda, c'est son petite collecte. La danse du polo, c'est sa petite emote, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Chica et l'étoile de Chica pour 1500 V-Bucks. La lance d'Aïda pour 800 V-Bucks. La danse de polo pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack L'Osofruit avec L'Osofruit et son repose copain qui sont accessoires de dos. La fraise fofolle, c'est sa petite emote. Les attrape-fruits, c'est son outil de collecte, tout ça pour 1800 V-Bucks. Donc c'est toujours la série icône. Avec l'osofruit, après hors pack, vous avez l'osofruit et son repose copain pour 1500 V-Bucks. Les attrape-fruits qui sont une petite collette pour 800 V-Bucks. La fraise fofolle, sa petite emote pour 300 V-Bucks, les amis. Ensuite, vous avez le pack Laserbine avec son bébé d'épices. La pause déjeuner, c'est sa petite emote. Le bébé marteau, c'est son petite collette. Tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Laserbine et son bébé d'épices pour 1500 V-Bucks et son accessoire de dos. Le bébé marteau, c'est son petite collette pour 800 V-Bucks. La pause déjeuner, c'est sa petite emote pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack The Greft avec The Greft et sa sphère de puissance qui sont accessoires de dos. La touche de la manette, c'est sa petite emote. Voilà. Et pour finir, le bâton manette qui sont une petite collette pour ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez The Greft avec la sphère de puissance pour 1500 V-Bucks. Le bâton manette pour 800 V-Bucks. Le twist de la manette qui est la petite emote pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Flacker's Power avec Flacker's Power et son électroblème qui sont accessoires de dos. Le demi-lune électrique, c'est son outil de collecte. Et la transition de Flacker, c'est sa petite emote, tout ça pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez sur le pack de quête de transmission étrange pour 12 euros avec Isaac Clark et son ring qui sont accessoires de dos. L'UCG Ishirama, c'est un deuxième accessoire de dos. Le cutter plasma, c'est son outil de collecte. La variation sur le plan, c'est sa petite emote. Et vous avez des quêtes supplémentaires pour gagner jusqu'à 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes qui sont fournies avec ce pack. Pour 15 euros, vous avez toujours le pack Agent Royaume Décoy avec l'Egérie Assaillante Décoy et son contre-courant qui sont accessoires de dos. Les bâtons choquants, c'est son outil de collecte. Zéro Bagarre Décoy, c'est la tenue hippique avec son vide abyssal qui sont accessoires de dos. La trancheuse d'écaille, c'est son outil de collecte avec Shigusa Agent Décoy et son Lapino Chanceux qui sont accessoires de dos. Les écailles punitives, c'est son outil de collecte. Le col chanceux, c'est le revêtement d'armes. Et pour terminer, vous avez l'écoille à attaque, l'écran de chargement. Donc tout ça pour 15 euros, les amis. Et pour finir, nous avons le pack Ned l'Éternel, donc avec un accès permanent à la campagne Sommet Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans Sommet Monde. Terminez la défense du bouclier en tempête base de 3 pour déverrouiller ce pack et entamer pour déverrouiller le pack et entamer ses défis, qui comprend la tenue Ned le bouclier, avec l'accessoire de dos Kevin de la base et la pioche et des déterquines Ned Ical. Donc voilà, tout ça pour 16 euros. Et
vous gagnez 1500 V-Bucks, donc en achetant ce pack, en accomplissant les quêtes dans Sauver le Monde. Et sinon, vous êtes toujours possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12 € par mois. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club dont une nouvelle étape est dévorée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Si vous avez passé de combat, il vous rembourse 150 V-Bucks, vous recevez 1000 V-Bucks à la date de facturation du club. Vous avez aussi le Rocket Pass Premium, donc vous avez le... Si vous jouez à Rocket League, vous avez le Pass Premium, donc il vous est offert dans, dans le club. En souscrivant au club, vous avez donc le pack Premium Rocket League offert avec. Et pour le skin, vous avez donc Dahlia avec son accessoire de dos, son outil de collecte, l'écran de chargement, tout ça donc pour 12 € par mois, les amis. Voilà. Sur ce, donc voilà, je vais vous laisser. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Hein. Il y a beaucoup de vues, mais vous regardez juste et je sais pas, vous oubliez de checker la vidéo. Donc si elle vous a plu, mettez quand même le petit pouce bleu, les amis. Le commentaire brasier. Pour savoir si vous avez entièrement la vidéo, car c'est très important pour le référencement sur YouTube. Et si t'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit. Tu mets sur s'abonner, tu n'oublies pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, le code brasier en majuscule en minuscule dans la boutique de Fortnite. Tu mets ABCT et moi ça m'aide énormément et ça me fait surtout énormément plaisir. Et ensuite, tu as le lien si la chaîne te plaît vraiment, si tu veux participer à l'aventure et la faire grandir encore plus vite, tu peux la possibilité de te souscrire à la chaîne. Et sinon, tu as aussi ma petite boutique, la boutique de la chaîne que tu peux aller voir. Franchement, il y a des super cadeaux, des super articles à voir. Donc, allez-y, ça me ferait encore énormément plaisir. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye.